C'est une date incontournable au cœur de l'été. C'est surtout un événement qui promet le dépaysement et garantit le challenge à tous ses inscrits. Le triathlon de l'Alpe d'Huez fêtait cette année son 9e anniversaire. Et comme lors de chaque édition, l'histoire commence par une longue descente, souvent fraîche, direction le lac du Vernet. On est prêt là. Je pense que ça va se lever, ça va être une belle journée. Et l'échauffement est sympa. Le lac du Vernet, Cyril, il est 1000 mètres plus bas. Pas 1000 mètres en distance, mais en dénivelé. C'est vache, ou du moins c'est une façon pour vous de leur offrir la possibilité justement de profiter complètement de leur inscription? En effet, ouais, c'est une descente vraiment sympathique. Hein. C'est magnifique, c'est joli. On est à flanc de montagne. Avant de descendre, de plonger vers le lac, on a une... Tout au long de cette descente, on a une vue magnifique, sur ce lac. C'est vrai que ça permet aussi aux athlètes de s'échauffer un petit peu et surtout de prendre la température, notamment quand elle est un peu fraîche le matin. La température de l'eau, on y reviendra. Pour l'instant, on fait le tour d'horizon des athlètes présents. Pas mal de pros, notamment Gwenaël Hulière. On connaît moins celui-ci, mais attention, Colin Arros. Il y en a un certain nombre comme Stop Todd Skipworth qui vont effectivement faire le show. Bref, 1000 inscrits sur cette édition, 9e du nom à l'Alpe d'Huez. Des pros, des amateurs. Surtout des athlètes, je dirais presque aguerris, qui ont l'habitude de s'engager dans ce style de challenge. Il en faut de l'habitude. Venir courir à l'Alpe, c'était parce que bon, j'avais prévu en quelque sorte de le faire, mais là, je me le suis fixé plus comme un objectif pour préparer un brin et pour justement effacer ce mauvais souvenir des France et puis voilà, prendre du plaisir sur cette belle course, quoi. Il a faim, Gwenaël Hulière. Il a voulu surtout corriger son tir après la contre-performance de Gravelines. Not good result. I was too young. Il est venu il y a deux ans, lui, Albert Moreno. Pas un super résultat, il était un peu trop jeune. Donc il a attendu de prendre un peu de recul, de s'aguerrir en quelque sorte pour revenir sur les pentes de l'Alpe. Est-ce que vous auriez un petit peu peur de la température de l'eau? Oui, elle est fraîche, mais c'est vrai pour tout le monde, donc il faudra faire avec. 13.8. À peine. 13 degrés, à peine plus. Lui, il est venu à plusieurs reprises. Il s'est imposé ici deux fois avec la Locolucci, puis il a quitté le circuit, c'est ce qu'il dit, circuit longue distance, pour se consacrer à la distance olympique. Deux participations aux Jeux Olympiques, Pékin et Londres, bien sûr. Et il a profité justement de cette nouvelle période de sa vie pour revenir sur l'Alpe d'Huez, encore une fois pour se préparer. Nouveaux objectifs, il nous en dira un peu plus plus tard, mais il a l'intention d'en découdre avec la nouvelle génération qui n'était pas forcément présente lors de ses participations précédentes. Il est sûr et certain d'une chose, c'est qu'une fois qu'on a couru l'Alpe d'Huez, on est forcément plus fort pour s'inscrire sur d'autres épreuves. Donc il a l'intention de faire parler de lui dans les prochains mois. Catriona Morrison, pas forcément utile de la présenter. Elle s'était imposée ici il y a deux saisons. Elle revient sur les pentes, elle aussi. Alors, je ne pense pas que les courses soient forcément trop dures. L'Alpe d'Huez est dure, c'est sans doute une des plus dures qui existent, mais elle me plaît beaucoup. Et puis un nouveau. Il a eu l'occasion de faire quelques séances avant de s'inscrire ici. Arnaud Clément. Ouais, vous savez, j'ai beaucoup de copains à l'Alpe d'Huez et j'aimais bien venir ici en stage pendant l'hiver pour m'entraîner pendant une bonne semaine. Donc voilà, ça me fait plaisir de revenir. Ça fait un moment que je n'étais pas revenu. La météo m'inquiète plus que la montée. Mais oui, la montée, bien sûr, ça va être dur, mais très sympa. Alors c'est vrai, Cyril, qu'ils ont le nez en l'air pour regarder un petit peu ces nuages accrochés à la montagne, mais il ferait mieux d'abord d'avoir le nez un peu plus en direction du sol et de l'eau notamment, parce que 13 degrés pour débuter la journée, pour certains c'est un tout petit peu frais. Ouais, c'est sûr, c'est frais, hein, d'autant plus que voilà, ils ont 2,2 km de natation à faire, donc c'est assez long pour certains, hein, les derniers vont mettre plus d'une heure. Donc une heure dans l'eau à 13 degrés, voilà, donc il faut bien penser à mettre deux voire trois bonnets. De l'huile chauffante, même s'il y a la combinaison, bien s'échauffer quand même avant, alors pas forcément dans l'eau, mais à sec, bien s'échauffer pour, on le voit, hein, certains athlètes qui bougent les bras. Et puis une fois qu'on est dans l'eau, en attendant le départ, bah voilà, beaucoup d'athlètes qui se mettent un peu sur les côtés pour retarder justement ce moment du départ et avoir moins d'eau froide dans le corps. Allez, c'est parti pour cette 9e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez. C'est la version longue. Il y a au cours de la semaine d'autres épreuves. Le duathlon, la version court distance, le triathlon des enfants, on en reparlera, Cyril. Ici, ils sont 1000 inscrits cette année, encore une fois, pour justement tenter leur chance. 2200 mètres de natation, 115 km à vélo et trois belles bosses. Hein, Grand Serre, en l'occurrence,
l'Alpe du Grand Serre, le col d'Ornon, qui est pas très pentu, mais qui est assez long et assez usant. Et puis la montée finale vers l'Alpe d'Huez avec ses 21 virages. Qu'on ne présente pas. Et derrière, s'en suivra un semi-marathon couru à 1900 mètres d'altitude. Là aussi, il faut avoir, pris la mesure de l'événement avant de se lancer de manière naïve. Ouais, bien évidemment, parce qu'on est quand même en haute montagne, donc trouver un parcours plat, c'est très très compliqué. Donc c'est trois boucles de 7 km. Et sur ces trois boucles, il y a quand même deux. Enfin, c'est même pas des faux plats, c'est des bosses, mais les pourcentages ne sont pas importants, mais ça reste quand même de la côte et on est en altitude, donc forcément, ça reste difficile. Pas mal d'Espagnols cette année inscrits, notamment Alberto Moreno-Molins, hein, qu'on a aperçu tout à l'heure et qu'on va suivre un peu plus tard, qui s'est illustré surtout, qui a montré le bout de son museau lors de sa victoire, c'était sur le Naturman l'année dernière, qui est un des, je dirais, des fidèles ou du moins des lieutenants de Marcel Zamora, donc un athlète rapide à vélo, rapide en course à pied, on va pouvoir voir ce qu'il est capable de faire. Mais il y a aussi d'autres athlètes comme Alberto Bravo ou encore Paquillo Fernandez, ce sont des nouveaux venus. Ouais, ce sont des nouveaux venus. C'est vrai qu'on a un bel ambassadeur en parlant de Marcel Zamora. Marcel Zamora qui tous les ans vient faire l'épreuve courte distance, hein, qui est dans sa préparation pour Embrun. Donc c'est un choix qu'il a fait. Donc tous les ans, il nous ramène une belle délégation espagnole avec notre ami Nicolas Beck qui travaille en Espagne pour nous. Et donc tous les ans, on le sait, hein, les Espagnols aiment bien la montagne, aiment bien les triathlons vallonnés. Hein, et voilà, donc l'Alpe d'Huez fait partie de leur calendrier. On a parlé de ces messieurs, disons deux mots ou un peu plus même sur ces dames. Katrina Morrison, l'Écossaise, est là. Elle s'était imposée il y a deux saisons. Elle aura comme principale rivale Lucy Gossage, une autre Britannique qui a récemment remporté l'Ironman de Lanzarote. Elle aura Paris Edwards. Et parmi les Françaises, elle aura notamment Alexandra Louison qui a l'habitude de venir ici. Et puis Céline Bourret, qu'on connaît un tout petit peu moins, mais qui est vraiment, elle, de plus en plus, je dirais, présente de manière régulière sur les podiums de triathlon. Donc encore une fois, une forme de densité tant chez les pros que chez les amateurs, et cette image, en l'occurrence, insiste sur ce fait. Ouais, beaucoup de professionnels. Alors c'est pareil, hein, chez les filles, essentiellement Chrissy Willington, hein, qu'on avait découvert avant Hawaï à l'Alpe d'Huez, qui tous les ans nous fait venir des athlètes britanniques. Mais hormis ces athlètes pros, énormément d'amateurs qui viennent pour le défi, pour la beauté des paysages et pour l'organisation du triathlon. Alors, le plafond est bas, ça c'est sûr et certain, l'eau est fraîche, c'est dit aussi. Maintenant, attardons-nous un tout petit peu sur la tête de course, avec en premier plan les images magnifiques. Là, en l'occurrence, de Todd Skipworth, l'Australien, l'ancien rameur australien, de participation aux Jeux Olympiques à son actif, qui s'est mis au triathlon sur le tard, sollicité par Brett Sutton, et qui fait partie de son team, son nouveau team, qui ne s'est pas imposé. Il a pris une troisième position ici même l'an passé. Il aurait bien envie de monter sur la plus haute marche du podium. Il mène la danse pour l'instant en compagnie de Robin Pasteur, d'Alberto Moreno qui est un tout petit peu plus loin, mais aussi de Paquillo Fernandez. Ouais, Todd qui l'an dernier avait fait une belle course, hein. Il avait pris une troisième place. Je pense que voilà, c'est une épreuve qui lui plaît bien, qui lui convient bien. Et voilà, il est revenu cette année avec Reynaldo Colucci, un revenant qui connaît bien l'épreuve également pour aller chercher autre chose qu'une troisième place. Alors, pour cette dame, l'épreuve est terminée, écourtée, sans doute un tout petit peu froid à son goût. Ça peut aussi s'entendre. Des spectateurs, eux, sont venus pour réchauffer un tout petit peu l'atmosphère. Ça y est, sorti de l'eau des premiers. On a aperçu Todd Skipworth, Robin Pasteur, Paquillo Fernandez, Manuel Kung. C'est le quatuor, en l'occurrence, qui s'est extrait du lac du Vernet de sa fraîcheur. Regardez le public, regardez ces habitués. Il y a les habitués de la course et les habitués en dehors de la course qui viennent justement soutenir ces protagonistes, ces va-t-en-guerre presque, parce que là les conditions météo sont quand même un tout petit peu délicates. Ouais, le plafond est bas, mais la température n'était pas si fraîche que ça. Hein. Donc maintenant les athlètes espèrent que ça se dégage un peu et que le soleil apparaisse. Bon, les deux jours précédents, on a eu beaucoup de pluie, donc les athlètes, on le voit, hein, ils se préparent à une journée compliquée, ils prennent les affaires chaudes. Paquillo Fernandez est le premier de ces messieurs à s'extraire de la transition. On s'en suit, bien sûr, Top Skipworth, en rouge. On a vu passer Robin Pasteur, Manuel Kung. Dans la foulée, Dossard 1087,
et tout ce petit monde va attaquer justement ce parcours cycliste autour de Reynaldo Colucci. De sortir de l'eau et de préparer son enchaînement. Le Brésilien, double vainqueur ici en 2006 et 2007. Lui, il est sorti de l'eau, Reynaldo Colucci, en 28-45. Alberto Moreno, un tout petit peu plus loin, plus de 3 minutes de retard déjà pour l'Espagnol. Ouais, 3 minutes. Alors certes, on le sait, hein, c'est pas un très très bon nageur, mais ça veut dire qu'il a déjà mangé une partie de son joker, même si on le sait, hein, sur la partie cycliste. Tant qu'on n'est pas arrivé, on va dire, dans les derniers lacets de l'Alpe d'Huez, rien n'est joué. Gwenaël Houllière, lui aussi, en matière de gestion d'épreuve, il faut être là très pointilleux, parce que si on consent trop d'efforts au début, on le paye cash dans la montée de l'Alpe d'Huez. Vous avez vu les écarts. Et dès la sortie de l'aire de transition, d'ores et déjà le gaillard sur la gauche avec le cuissard rouge, Todd Skipworth, l'Australien, donne le ton. Il revient rapidement sur ceux qui ont, en l'occurrence, commencé l'épreuve quelques secondes avant lui. Il a bien l'intention de bousculer les habitudes. Ouais, il démarre assez fort, donc il a envie de prendre tout de suite la tête de course. Alors la première partie de ce parcours cycliste est en faux plat descendant, donc il faut être vigilant, parce qu'on aurait tendance à emmener des gros braquets, à aller trop vite, et puis après les difficultés s'enchaînent, donc il faut quand même être vigilant. Retenez bon, c'est la première de ces dames, suivie par Catherine Morrison à moins d'une minute. Et puis derrière, Lucie Goussage, 1,53 de retard sur la première, donc la Suisse d'origine mexicaine. Regardez les écarts. Céline Bourret, la première française, est déjà à près de 6 minutes. Et c'est loin d'être terminé. Vous le disiez tout à l'heure, les derniers mettront un tout petit peu plus d'une heure. Et maintenant, le jeu va consister à se réchauffer. La tête de course. Todd Skipworth, l'Australien, attaque l'ascension de l'Alpe du Grand Cerf. Il a déjà fait un bon ménage, puisque là, au pied de l'ascension, Todd Skipworth, il a près de 3 minutes d'avance sur ses poursuivants. C'est beaucoup, hein. En 25 km, il a commencé déjà à faire un effort. Alors voilà, Todd, il connaît le parcours, hein. Il l'a fait l'an passé, il avait fini 3e, mais c'est quand même dangereux, hein, parce que on le sait, une fois qu'on arrive au pied de cette montée de l'Alpe du Grand Cerf, après il y a très très peu de temps de repos, parce que les difficultés s'enchaînent et les descentes sont assez techniques et proposent très peu de temps libre et de roue libre pour pouvoir récupérer. Même cause, mêmes effets. Katrina Morrison, qui est sortie en deuxième position du lac du Vernet, elle a pris aussi rapidement la commande de la course dans son style caractéristique, tout en puissance. Elle qui a été championne du monde de duathlon. Catherine Morrison, récemment, c'était sur l'Ironman de Lake Tahoe. Elle a pris une 3e place. Elle a terminé 4e des championnats du monde Half Ironman. Lucie Goussage, déjà à 3 minutes, elle aussi, dans les lacets qui mènent à l'Alpe du Grand Cerf. Ouais, une montée qui est dans le brouillard. Hein. On a l'habitude de voir cette montée. C'est une montée ombragée, mais où il peut faire très très chaud. À l'occurrence, ce jour-là, c'est humide et on est dans le brouillard. Et les athlètes ont quand même eu le temps de se réchauffer jusque-là. Et je pense que pour la suite de l'épreuve, c'est des bonnes conditions météo. En tout cas, Lucie Goussage, elle avait le sourire. Elle sait que l'épreuve sera longue, que c'est loin d'être pour l'instant terminé. Un petit peu de patience. Premier pointage à quelques kilomètres du sommet. Todd Skipworth possède 5 minutes 15 d'avance sur Alberto Moreno. Derrière, il y a Reynaldo Colucci, puis Gwenaël Houllière. Passage là à hauteur du ravitaillement du Grand Cerf pour Todd Skipworth, qui bascule direction maintenant le Val Bonnet, mais dans des conditions climatiques plus agréables. Ouais, plus agréable. Voilà. Ils ont passé la bande nuageuse, ils sont maintenant au soleil. Donc
plutôt positif, plutôt intéressant, parce qu'on le voit, la descente, la route est sèche, donc moins de risque de chute. Ils vont pouvoir se réchauffer et voilà, chacun espère que le temps se maintienne et que ça continue comme ça jusqu'à l'arrivée. C'est vrai que la descente n'est pas très technique, hein, elle est plutôt roulante. On n'a pas vraiment le temps de récupérer parce qu'on peut quand même envoyer des gros braquets et ils vont maintenant en direction du Valbonnet. N'empêche que je dirais la prise de risque ou l'initiative de Todd Skipworth, tout dépend de quelle place on analyse cet effort, paraît, je dirais, presque suicidaire. C'est-à-dire qu'on se demande si vraiment il a mesuré, en dépit de l'expérience qui est la sienne, mesuré la dureté de l'effort, ou du moins la violence de l'effort qu'il a accompli. C'est sûr, hein, il prend un risque. Après, c'est une stratégie. Peut-être qu'il veut essayer de faire douter Moreno. Il sait très bien que Alberto Moreno est jeune et qu'il est très très bon à pied. Alors peut-être qu'il essaye justement de le faire douter, de prendre comme ça un peu d'avance pour que derrière, l'Espagnol fasse l'erreur de vouloir aller trop vite. Plus souple. Catherine Morrison au pointage du Grand Serre. 4 minutes 10 d'avance sur Lucie Goussedge. Et on ne peut pas dire qu'on ait pour l'instant vraiment débuté le parcours cycliste. Ça sera un tout petit peu plus tard, mise en bouche en quelque sorte. Mais déjà, écart important entre justement Lucie Goussedge et ses principales rivales. Pas de Françaises à l'horizon, elles sont très discrètes. Ouais, elles sont discrètes. Alexandra Louison est sortie très très loin de l'eau. Elle a mis beaucoup de temps à se réchauffer. Elle a eu très très froid, très très froid dans l'eau. Et voilà, c'était compliqué pour Alexandra. Position de recherche de vitesse, manchette, rythme puissant mêlant à la mode Sutton. On croirait reconnaître en quelque sorte le pédalage de Caroline Stephen notamment. Caractéristique. Et derrière les rivaux de Skipworth qui ne savent pas vraiment sur quel pied danser. Hein. On se demande s'il faut aller le chercher, jusqu'à quand on peut justement patienter. Que ce soit Houllier, Colucci, Moreno, Robin et consorts. Il y a une sorte d'attitude attentiste. Ouais, ils sont un peu dans le flou, hein, mais c'était, je pense, aussi la stratégie de Skipworth, de mettre le flou dans la tête de ses adversaires. Et on le voit là, ils savent pas s'ils doivent accélérer, s'ils doivent encore attendre un peu avant de se lancer à sa poursuite. Oui, c'est sûr, c'est un magnifique parcours à vélo. C'est un parcours justement où il faut. Il faut vraiment bien gérer sa course parce que dans la fin, la dernière montée peut faire très mal si on a mal géré. Donc c'est vraiment une très très belle course. Il sait que c'est loin d'être terminé, que les lacets vont s'enchaîner. Tenir compte aussi, je dirais, des surfaces glissantes par moment, non pas pendant les ascensions mais pendant les descentes. Il y a quelques surprises à la clé. Pour ce qui concerne la plupart des compétiteurs, surtout s'arrêter, s'alimenter, boire. Cyril, c'est important parce qu'on consomme énormément d'énergie dans ces conditions. Ouais, on consomme énormément d'énergie. Donc bien penser à s'alimenter, à boire, quitte à s'arrêter hein, une ou deux, trois minutes pour les athlètes amateurs. On le voit, hein, d'autant plus que voilà, les conditions climatiques sont extrêmement changeantes. Donc on passe du froid au chaud. Il faut vraiment tout anticiper pour pouvoir arriver le plus frais possible au pied de l'Alpe d'Huez. Skipworth, il a tombé les manchettes, ouvert le maillot, conditions de course plus agréables. Toujours les mêmes écarts, ils ont même tendance à s'accroître. Hein, déjà 7 minutes de retard pour les poursuivants. Et on n'a pas attaqué l'ascension du col d'Ornon. Voilà, on est au Valbonnet, au ravitaillement du Valbonnet, donc on est au pied du col d'Ornon et 7 minutes 30 d'avance, et ça commence à faire beaucoup. Et on l'a vu, Alberto Moreno qui, il était un peu perdu, on savait plus trop, il sait plus trop où il en est dans la course et quelle position il doit avoir. Deux équipements très différents, Lucie Goussedge avec les manches longues, casque profilé sur le crâne. Petite veste sur le dos, les gants au bout des mimines. On a vu Catherine Morrison un tout petit peu plus tôt dans des conditions bien différentes. Ce sont les deux principales protagonistes que nous allons suivre, en plus bien sûr de Paris Edwards, Esther Hernandez et Céline Bourret que l'on voit à l'écran, mais qui, Céline, compte déjà un retard important de près de 9 minutes sur la tête de course. Ouais, sur Lucie Goussedge ou Catriona Morrison, hein, c'est déjà énorme. Hein. Alors après, elles sont pas à l'abri de craquer, hein, les deux leaders, hein, mais ça va être compliqué pour la Française. Attention, c'est parti rapide, c'est parti roulante.
ne pas se laisser griser justement par cette vitesse que l'on peut atteindre après cette ascension ou ces ascensions qui se sont enchaînées. Todd Skipwer, Cyril, à quelle hauteur hein? Là, on est dans l'ascension du col d'Ornon. On est à mi-parcours du col. On doit être à une dizaine de kilomètres du sommet du col d'Ornon. Donc, c'est un faux plat montant là, qui longe la rivière. Donc, voilà, les conditions sont bonnes. Il n'y a pas trop de vent. Il fait bon. Donc, c'est plutôt agréable. Et ouais, je pense maintenant aux athlètes amateurs derrière qui vont pouvoir emprunter une route magnifique. Toujours solidement installé en tête de la compétition. Ouais, il emmène un braquet important, hein. Ben, on l'a dit, hein, c'est à l'image du team Brett Sutton où les athlètes sont pas très vélos, hein. Ils emmènent des braquets importants, il faut être vigilant parce qu'après en montagne ça peut se payer cash. Mais bon, voilà, Todd il a une certaine expérience notamment de cette course. Et lui là, le dossard numéro 10, il a aussi je dirais un profil un tout petit peu atypique. D'abord il revient sur le groupe de 4 qui suit Todd Skipwer. Dossard numéro 10 c'est Colin Arros, jeune athlète d'une vingtaine d'années, breton. Et qui là, avec roue à bâton devant, lenticulaire à l'arrière, est en train, je dirais pas un petit peu de narguer, mais en tout cas de solliciter ses adversaires. Ouais, on va dire qu'il se fait plaisir, hein. Colin, il a participé depuis tout petit à toutes les épreuves sur le triathlon, sur les triathlons de l'Alpe d'Huez. Il attendait avec impatience de pouvoir faire le long. Pour la première fois, il pouvait y participer. Il avait l'âge d'y participer. Je pense qu'il se fait plaisir. C'est quelqu'un qui est très doué en vélo. Qui est très très fort, il connaît très bien son matériel. Je pense que s'il a fait ce choix de roue, il a dû sûrement étudier avant le vent et le parcours. Donc voilà, c'est pas surprenant de le voir là. Maintenant, il va falloir qu'il tienne après en course à pied. Vous avez le petit coup d'œil jeté par Gwenaëlle Houlière sur justement cet athlète de noir vêtu, dossard numéro 10, Colin Arros, qui avait fait une cinquième place, qui a pris une cinquième place l'année dernière ici sur le court de distance. Et là, Alberto Moreno se demande, attendez, je rêve ou quoi? Il est juste en train de me déposer avec un vélo qui semble pas tout à fait pour ce type de compétition. C'est vrai que c'est un vélo de contre-la-montre et là on est au cœur de la montée du col d'Ornon. Donc Jack Alberto Moreno, je pense que voir Skipwer loin devant comme ça, ça doit mentalement pas être facile. Mais en plus voir un jeune de 20 ans le passer comme ça au milieu d'un col avec une roue à bâton, une roue lenticulaire, je pense que psychologiquement il a encore pris un coup derrière la tête. Toujours dans l'ascension du col d'Ornon, dernier kilomètre. Skipwer qui passe au sommet avec un écart de plus de 7 minutes, hein, 7 minutes 45 sur les poursuivants. Ne pas oublier de se ravitailler, rester concentré. Pour l'instant, depuis le départ de la compétition, il est très impressionnant. Ouais, il est impressionnant, il est serein, on l'a vu toujours dans le même rythme. Alors on l'a vu un peu, son visage un peu marqué dans la descente de l'Alpe du Grand Serre en direction du Val Bonnet. Alors c'est vrai que c'est une descente qui est assez roulante, rapide, mais qui demande quand même des efforts. Et je pense que voilà, Todd il a peut-être eu un peu froid dans la première partie du vélo. Et après, il a payé peut-être un petit peu ça dans cette descente, mais il a l'expérience, il s'est alimenté. Donc là, la descente du col d'Ornon, par contre, très technique, très dangereuse. On le voit, il faut faire attention. Prochain objectif, l'arrivée sur Bourdoisan et le dernier coup de cul avant de chausser les baskets, autrement dit l'ascension de l'Alpe d'Huez. Allez, au sommet du col d'Ornon, 1371 mètres d'altitude avec un peu plus de 6 minutes de retard. C'est pour vous dire à quelle vitesse il est monté, lui, Colin Arros. Il est désormais en deuxième position, lui le récent vainqueur du format sprint de Quimper. C'était au début du mois de juillet. Il est passé, je dirais, du format sprint au format Maus. Et a priori, sans grosse difficulté. Hein. Ouais, sans grosse difficulté. Ouais, je pense que Colin, vu ses, on va dire ses faiblesses en natation, et ça sera un athlète qui va vite se diriger vers le long distance. Je pense qu'il a fait certains courts distances et sprints pour justement se préparer pour le triathlon de l'Alpe. Hein. Il nous l'avait dit dès l'an passé, après sa cinquième place sur le cours, que le triathlon longue distance de l'Alpe serait son objectif cette année. Vous avez bien fait de souligner le fait qu'il n'était pas forcément très à son aise en natation puisqu'il est sorti avec 4,30 de retard sur la tête de course. Tête de course féminine, toujours là aussi, écart substantiel entre Katriona Morrison et Lucy Gossage. Là, c'est étroit, hein, rapide. On a effectivement un horizon assez limité avec des freinages très fréquents. Ouais, c'est un enchaînement de petites courbes comme ça tout au long du col d'Ornon. Donc voilà, musculairement, on ne travaille pas beaucoup, mais par contre, il faut rester concentré. On a très très peu le temps de souffler. Donc voilà, c'est une descente très très technique.
Il vaut mieux se laisser descendre et passer les virages en enfilade. Et là justement, Skipworth qui en termine avec cette descente en profite pour s'alimenter. C'est important, dans une poignée de secondes, allez, je serais tenté de dire quelques minutes, il va attaquer la patate du jour. Derrière, on cravache, Moreno, avec devant lui bien sûr Colin Rose, Quenelouguerre qui s'accroche. Attention à bien respecter les écarts, c'est surtout ça Cyril. Et ouais, c'est 7 mètres et 3 mètres sur les côtés, mais je pense que Colin Arros, il a fait du bien à ce groupe, hein. Il a relancé un peu la dynamique, il a relancé un peu le truc, donc on va dire ouais, le rythme, et je pense que pour ces athlètes qui suivent Colin Arros, il faut être vigilant, hein. Les arbitres sont à l'affût de la moindre faute. Allez, petit déj pour tout le monde, ou brunch, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes levé, mais on s'alimente énormément dans la perspective, effectivement, de l'ascension de l'Alpe d'Huez. Moreno, lui, il a pris un carton noir. C'est-à-dire qu'il a été effectivement pénalisé par les arbitres présents sur la course. Ils ont estimé qu'il avait drafté, comme on dit, c'est-à-dire qu'il était trop proche des concurrents, qu'il a profité de leur effort. 5 minutes de pénalité au sommet. Ouais, 5 minutes, c'est énorme, hein, parce que voilà, il est capable de faire une partie de son retard dans la montée de l'Alpe. Ce qu'il y a, c'est que derrière, il va devoir s'arrêter en prison pour drafting, alors que Todd Skipworth, maintenant, ça risque pas de lui arriver, hein, dans la montée de l'Alpe. Le drafting est quasiment inexistant. On a monté la chaîne de quelques dents et c'est parti pour cette ascension de l'Alpe d'Huez qui va sans doute causer quelques surprises, faire évoluer la course. On revient dans une poignée de secondes pour la suite de l'histoire. De retour dans l'Isère pour cette 9e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez. Et pour l'instant, Catherine Morrison, toujours en tête de la compétition féminine. Elle en termine avec le col d'Ornon, deuxième difficulté de la journée, Cyril. Et elle possède à cet instant précis plus de 8 minutes d'avance sur sa principale rivale, Lucie Gousset. Ouais, 8 minutes, bon, c'est important, hein. Maintenant, il reste encore la difficulté majeure du parcours vélo, mais elle a l'air quand même aller à l'aise, elle a l'air sereine. Et même si Lucie Gossage derrière, voilà, elle a une certaine expérience, elle a des grandes victoires cette année, notamment l'Ironman de Lanzarote, elle est capable malgré tout de ses 8 minutes 30 de revenir en course à pied. Allez, on va voir ce que donne ce vélo de contre-la-montre magnifique dans ses lacets de l'Alpe d'Huez. Colin Rose, dossard numéro 10, ça bosse dur là Cyril. Ouais, ça bosse dur, on est dans les premières rampes, c'est les rampes au plus fort pourcentage, c'est les rampes les plus compliquées parce que voilà, c'est des longues portions avant d'atteindre le virage, c'est là que les virages sont le plus espacés. Donc, et puis en plus, ils sont dans un petit groupe avec Moreno, on le voit là un peu agacé, je pense qu'il a appris qu'il avait pris une pénalité et il explique à ses proches qui sont sur le bord de la route qu'il a 5 minutes de pénalité. Alors il a 5 minutes de pénalité, c'est vrai, il avait un écart conséquent derrière Skipworth, mais là à la faveur des premiers lacets, on s'aperçoit que cet écart se réduit sensiblement. Alors est-ce que c'est Skipworth qui paye en l'occurrence les efforts consentis précédemment, est-ce que ce sont les autres qui accélèrent, comment vous l'analysez? Bah, peut-être que Moreno aussi est un peu vexé, sur, notamment de voir Colin Arousse comme ça le passer avec un vélo de contre-la-montre dans la montée de l'Alpe. Aussi, Alberto, il est vraiment là sur son terrain de jeu. Hein. On est dans la haute montagne, c'est vraiment, on est sur un col hors catégorie. Et puis maintenant, il n'a plus le choix. Hein. S'il veut espérer gagner, voir le podium, il va falloir qu'il lâche un peu tous ses compagnons là, de route et puis revenir sur Skipworth. Maintenant, Skipworth, je ne sais pas s'il le sait encore déjà que Moreno a une pénalité. Je pense qu'il est assez serein, il est sûr de sa course à pied. Il se dit pourquoi se mettre dans le rouge sur les rampes les plus compliquées. Et voilà, je vais monter tranquillement à mon rythme, quitte à ce que Alberto Moreno revienne sur moi. Et on verra s'il faut refaire la bataille en course à pied, je referai la course. Alors c'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, s'il était informé, et je pense qu'il a été informé de cette pénalité pour prise par Moreno, ça change la nature de son effort, c'est-à-dire qu'il peut effectivement retenir un tout petit peu le coup de pédale et se placer plus dans une gestion de fin de course. Ah ouais, en effet, il peut descendre quelques dents, enfin monter quelques dents pour avoir un coup de pédalage beaucoup plus souple, beaucoup plus facile, et puis voilà, souffler les endroits compliqués, voilà, se dire bon ouais, ça va durer 300-400 mètres, mais voilà, j'ai un petit matelas d'avance, donc mentalement c'est plus facile pour lui. Deux styles très différents. Gousset en danseuse, Catherine Morrison un peu plus tôt en puissance.
Attention au petit gabarit, mais efficace, Lucie Gousset. Je vous l'avais dit, victorieuse de l'Ironman de Lanzarote cette année, mais l'an passé, elle était championne d'Europe de duathlon longue distance. Elle avait remporté l'Ironman de Grande-Bretagne, l'Ironman du Pays de Galles. Elle n'est pro que depuis 2011, donc une jeune femme qui a encore pas mal de choses à, je dirais, à inscrire sur son CV. Oh, dernier lacet, et là, Moreno à portée de fusil, en quelque sorte de skip. De top skippers. Ouais, c'est fort hein, ce qu'il fait Moreno, parce que il avait plus de 6 minutes de retard, il venait de prendre une pénalité et malgré tout en 13 km dans l'ascension, ben, il a réussi à revenir sur skippers. Alors voilà, il l'attaque direct, il sait qu'il a 5 minutes. Maintenant, ça va être à lui de voir quand est-ce qu'il va faire cette pénalité. Hein. Il a le choix. La penalty box est à la sortie du parc à vélo. Il y a 3 tours, donc il a 3 possibilités pour faire cette boucle de pénalité. Moreno qui parle justement de, du plaisir qu'éprouvent les athlètes espagnols sur ces parcours à haut dénivelé. Il pense qu'effectivement l'Espagne, ils ne sont pas de super bons nageurs, mais que la géographie leur sert. Hein, ils ont l'habitude de s'entraîner à l'école, et lui, Moreno, avec notamment Marcel Zamora. Donc ça ne lui fait pas tellement peur. Fin du parcours cycliste, le terrain de foot comme horizon, c'est là que... est installée la deuxième transition, il faut le souligner, hein, les triathlons avec deux transitions, il n'y en a pas tant que ça. Et Alberto Moreno est le premier à donc poser pied à terre. Et là, ça négocie. Voilà, il négocie, il demande à savoir s'il peut faire sa pénalité au deuxième tour. Je pense que dans sa tête, il se dit, voilà, je vais partir fort à pied pour essayer de prendre, pourquoi pas, quelques minutes d'avance. Et puis gérer mon effort comme ça, ma prison comme ça. Voilà, Todd Skipworth, voilà, là, on est sûr, il le sait, hein, il a entendu, il comprend l'anglais, il sait que son adversaire a 5 minutes, donc voilà, il a à nouveau un matelas de 5 minutes d'avance sur Alberto Moreno. Oula, pour Skipworth, tout d'un coup, la course change de profil, à tel point qu'il est le premier donc à quitter le terrain de foot en quelque sorte et partir pour attaquer ses 21 km à pied, 3 boucles. Moreno, il doit être encore en pleine pagaille dans sa tête. Il faut qu'il gère alors sa course, certes, vis-à-vis de Skipworth, mais surtout vis-à-vis des autres. Ouais, il a fait une erreur là, Moreno, parce que jamais il aurait dû parler de sa pénalité. Ça se trouve que Skipworth, s'il n'était pas au courant, il aurait dû partir seul. Et puis peut-être que Skipworth, s'il s'en serait aperçu qu'à la fin du premier tour, à la fin du deuxième, et. Alors que là, il le sait, on l'a vu, il a dit, bon, voilà, j'ai 5 minutes, en plus, je pars avec lui, je vais essayer de le tenir le plus longtemps possible, et ça va mettre le doute dans la tête d'Alberto Moreno. Colin Ross a posé vélo, 1 minute 36 derrière Skipper, c'est Moreno, où hier, 2 minutes 40 de retard, 4e position pour celui qui réside à Cibourg, et derrière, Paquio Fernandez, dossard numéro 2, déjà 5 minutes 39 de retard, jeune triathlète prometteur aussi, Paquio Fernandez, récent vainqueur de l'Iberman, distance Half Ironman. Au mois de juin, son surnom, c'est The Bull, le taureau. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Les écarts, donc. Guillaume Philippe en 6e place. Reynaldo Colucci, déjà à 18 minutes du leader. Dernier lacet. Dans cette ascension de l'Alpe d'Huez pour Catriona Morrison qui mène la course quasiment depuis la sortie de l'eau et qui nous exprime son amour pour ses parties hilly, ses parties montagneuses. C'est là qu'elle se sent bien, c'est là qu'elle exprime le meilleur d'elle-même. Une belle bataille à distance hein, chez les filles. Il y a eu un écart qui s'est créé tout de suite à la sortie de la natation au début du vélo et après ça s'est assez maintenu. Bah rien n'est perdu, hein, parce que voilà, la course à pied se passe, on l'a dit, à 1800 mètres d'altitude. C'est un parcours vallonné, il y a 21 km, donc rien n'est perdu pour Lucie Gossage. En relance, Lucie Gossage, qui compte conserver, limiter l'écart, les derniers lacets. Relance aussi pour Catriona Morrison. Un petit coup d'œil, il a glissé sur les pentes. En aval pour mesurer justement cet écart, se rassurer en quelque sorte, savoir quelle attitude adopter pour la suite. Et là, pour ce qui concerne la course à pied, Moreno s'est réveillé, il revient sur les talons de Skipworth, mais c'est plus la première place qui le concerne. Il a reperdu du temps, on l'avait vu dans le dernier virage prendre la tête, on s'était dit, bon bah voilà, il va aborder la course à pied avec quelques longueurs d'avance, mais
voilà, dans, peut-être dans l'énervement ou voilà, il est peut-être atteint un peu mentalement. On arrive au milieu de cette première boucle de course à pied et Moreno est encore derrière Top Skipworth. Donc ça veut dire qu'il va retarder sa prison pour essayer de faire douter l'Australien, mais ça paraît compliqué maintenant. Alors les petits tuyaux que vous voyez là, c'est les futurs canons à neige qui vont équiper la piste de Staren. Ouais, voilà, la plus longue piste d'Europe qui va être équipée d'enneigeurs. Donc voilà, c'est le matériel qui va être installé à la fin de l'été et cet automne pour pouvoir ouvrir la piste de Staren dès le début décembre jusqu'à la fin de la saison. Où c'est difficile. Encore une fois, 1900 mètres d'altitude, c'est là où ça se passe. 21 km, ça tire un tout petit peu sur l'organisme. Ouais, Colin Arros, hein, on l'a vu, hein, son point fort, c'est le vélo. Il s'est fait plaisir en vélo, il a donné le maximum maintenant. Et pour lui, il va falloir qu'il essaye de garder le rythme, d'essayer de conserver une place. Alors pourquoi pas sur ce podium, mais au moins dans le top 5, je pense que ça lui ferait vraiment plaisir. Fin du parcours cycliste. Catriona Morrison, l'Écossaise, première a atteint donc la deuxième aire de transition. Après 4h52 minutes et 51 secondes d'effort. Alors on essaie de se détendre un tout petit peu les jambes. J'imagine qu'elle l'a fait plus tôt. On pose le pied à terre. Elle aussi de manière, je dirais, lente. Pas d'erreur, c'est pas utile. Elle possède plutôt une avance de plus de 8 minutes sur Lucie Gossage. C'est pas le moment de commettre un impair. Ouais, faut être vigilant. Elle a un peu d'avance, donc elle peut se permettre de souffler un peu pendant cette transition et puis voilà, d'évaluer un peu son état musculaire dès les premiers mètres de course à pied. Avec toujours ce petit sourire, cette preuve d'humour, l'arbitre qui lui rappelle que le dossard se porte effectivement devant sur les parties pédestres. Lucie Gossage à ton tour. Docteur Lucie Gossage, chercheuse spécialisée en cancérologie et qui est donc mise de côté pour l'instant sa carrière médicale pour se consacrer uniquement au triathlon et au triathlon version XXL, full distance. Une transition un peu plus rapide pour Lucie Gossage. Hop, le dossard devant. Elle va essayer maintenant de tout donner dans ses premiers kilomètres de course à pied pour revenir et pourquoi pas faire douter Catriona Morrison, même si ça paraît compliqué avec 8:31 de retard. Et Paris Edwards en troisième place qu'on a vu aussi. 19 minutes 15 de retard sur la tête de course. Coude à coude, épaule contre épaule. On l'a pas vu souvent, Cyril, à l'Alpe d'Huez, ce scénario-là. Non, c'est un beau scénario. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait préféré que ça soit le même scénario sans les 5 minutes de pénalité pour Alberto Moreno. Maintenant, voilà, il a commis une erreur. Il était sûrement trop proche de ses concurrents, enfin de ses adversaires au moment de la montée. Je pense que ça s'est joué quand Colin Arros est venu semer un peu le trouble dans ce groupe. Et voilà, il a commis une erreur. Il a pris 5 minutes de pénalité, mais on le voit, il n'arrive pas à lâcher Todd Skipworth. Et je suis pas sûr que en enlevant les 5 minutes de pénalité, Alberto Moreno et réussi à mettre Top Skipworth en difficulté. Alors Skipworth, justement, on en parle depuis le début, hein, il est venu encore une fois à l'Alpe d'Huez l'année dernière, il avait pris une troisième position, il avait fait cinquième sur le XL de Géramey, mais cinquième parce qu'il avait chuté, chute très spectaculaire sur le parcours. Entre temps, cette année, il a pris une troisième place en Norvège sur le Half Ironman et une deuxième place sur le Half Ironman du Kansas. Troisième position, il a mangé Colin Rose, il s'agit de Gwenaël Houyer. Colin Rose qui souffre, il est quatrième, mais pas pour longtemps puisque le dossard numéro 2, Paquillo en l'occurrence Fernandez, prend le meilleur sur Colin Rose, désormais en cinquième position. Ouais, il faut qu'il s'accroche, hein, Colin, parce que voilà, il a fait le ménage dans le groupe en arrivant, il a semé le trouble, mais je pense que c'était un mal pour un bien pour le groupe devant que Colin Arros comme ça revienne parce que ça se trouve Todd Skipworth à la fin du vélo il serait pas arrivé avec Alberto Moreno. Je pense que l'écart aurait pu être supérieur et Colin Arros en vélo il a remotivé le groupe, il a relancé le groupe, maintenant il paye un peu ses efforts. Nouvelle descente en direction de la station. Skipworth toujours en tête, 37 secondes d'avance sur Moreno, il a fait une croix effectivement sur la victoire. Maintenant il s'agit de faire attention au retour derrière. Il n'a toujours pas effectué sa pénalité, il doit s'arrêter 5 minutes en prison, c'est la manière amicale de définir ce stop.
Grandes enjambées, grand coup d'épaule aussi pour Katrina Morrison. Joli paysage. Ouais, si on avait des doutes sur la forme de Katrina Morrison, c'est loupé là. Hein, parce que elle avait 8 minutes 30 d'avance, 8:31 exactement. Lucie Gousset, je pouvais peut-être éventuellement essayer de la faire douter, mais à l'allure de Katrina Morrison sur cette première partie course à pied, ça va être compliqué pour Lucie Goussage de revenir sur la tête de course. Et pourtant, elle ne ménage pas sa peine. Hein. On va voir, elle relance dans le virage, elle accélère. Elle a l'intention encore de tenter sa chance. Peut-être un coup de moins bien, espère-t-elle, de la part de Morrison dans les dernières difficultés. Regardez cette ascension qui, pourtant, elle tape dans les jambes. Goussage continue son effort. Allez, c'est le dernier tour. Pour Skipworth, à part problème de dernière minute, c'est réglé, la victoire lui tend les bras. Pour ce qui concerne Moreno, en revanche, c'est la prison qui lui tend les clés. C'est réglé, les on l'a vu, hein, clignotant à droite, 5 minutes de pénalité. Donc voilà, maintenant, il a fait 2 tours pour prendre un maximum d'avance sur le troisième, essayer de faire douter Skipworth, ça, il n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, il est un peu dépité, forcément, hein, quand on prend une pénalité, on a l'impression que c'est jamais de sa faute, c'est tout le temps la faute des autres. Maintenant, c'est quand même une belle performance pour Alberto Moreno. Hein. Il est encore très très jeune. Il était déjà venu, il avait souffert ici. Il est revenu et c'est une belle course qu'il a fait. Moment de solitude. Pas totalement. Là, c'est pas tout à fait terminé pour cela. Salut. Il faut garder le sourire, s'arrêter, manger un tout petit peu, s'étirer, le stretching, toujours très bon pour la santé. Ah, et profiter du soutien. Ils sont pas loin du sommet. Ils sont à 5 km, on va dire, et au dernier ravitaillement. Et voilà, tout le public qui encourage ses athlètes pour aller au bout de cette épreuve cycliste. Alors, on appelle l'Alpe d'Huez la montagne des Hollandais. Cette année, ça a été la montagne des Espagnols. Ouais, énormément d'Espagnols. Hein. Ils étaient, je crois, 150 inscrits espagnols. Donc, espagnols qui viennent en famille. On avait beaucoup d'Espagnols sur le triathlon enfant, donc forcément beaucoup d'Ibériques sur le bord des routes. Seul en tête et une victoire promise a priori à Todd Skipworth, l'Australien. Fin de la pénalité pour Alberto Moreno. Feu vert donné par le juge arbitre pour l'Espagnol qui a sans doute suffisamment d'avance sur le troisième Guadalulière pour garantir une deuxième place ici à l'Alpe d'Huez. Il en profite, il a largement raison. Todd Skipworth, dernière descente, direction la station et la victoire. Ouais, il a bien géré sa course. Il a su, on va dire, jouer pas avec les éléments climatiques, mais avec les faits de course. Il a été intelligent. On l'a connu très très fougueux, hein, Todd Skipworth, avec sa chute. On s'en rappelle à Gérardmer. Je pense qu'il s'est un peu assagi. On l'a vu dans les descentes techniques du col d'Orno notamment, où il était très très vigilant. Et voilà, il se dirige vers une très belle victoire. Il a très bien géré l'ensemble de ses efforts. Il est parti fort en vélo. Il nous a fait un peu peur. Et au final, voilà, c'était visiblement la belle et la bonne stratégie. Depuis son titre de champion du monde en 2011, il s'agissait d'un titre mondial en 400 barreurs. Skipworth enregistre donc une nouvelle victoire. Mais c'est en triathlon maintenant, ici à l'Alpe d'Huez. L'édition 2014 pour l'Australien, dans les bras de l'organisateur. Il était temps que ça se termine pour ce qui concerne Todd Skipworth. Son temps, 5h51 minutes et 33 secondes. Vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux. Non, il s'est quand même donné, hein. Il a été à fond, on l'a vu à l'arrivée, même si je pense qu'il était assez serein sur le résultat final, mais physiquement, c'est un athlète qui était marqué sur la ligne d'arrivée.
Deuxième place pour le jeune athlète espagnol Alberto Moreno Molins, qui appartient au club de Durance Triathlon, donc il connaît bien la région. Il en termine à son tour avec le sourire cette fois-ci. C'est la fête effectivement, et il demande au public de souligner avec un peu plus d'enthousiasme sa performance. Toujours très agréable de voir cette participation, cet échange entre les athlètes et le public venu les soutenir. Deuxième place donc pour Albert Moreno, 5h57 minutes 33 secondes, 6 minutes derrière Skip Works. Ouais, voilà, la déception est passée. Je pense que voilà, il a eu un coup dur à la fin du vélo, il a fait quelques erreurs, au moment de partir de la prison. Et puis voilà, de toute façon, il s'est aperçu que sûrement même sans les 5 minutes, ça aurait été compliqué pour lui d'aller chercher la victoire. Solide, solide le judoka, l'ex-judoka Gwenaël Houlière qui prend la troisième position. Troisième place pour Houlière, 5h59-49. Ah, il avait été passé un peu à côté de ses championnats de France. Voilà, je pense que ça va lui faire du bien. Et avant son échéance qui est en brun, il nous l'a dit au début du reportage. Paquio Fernandez, jeune athlète espagnol, en termine à son tour. Quatrième position. Deux Espagnols dans les quatre premières places. Et cinquième position. Alors on peut dire que c'est une cinquième position qui le comble. Colin Ronce en larmes au moment de franchir la ligne. Ouais, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il y avait sa famille qui était là. C'est un athlète qui a 20 ans, qui est jeune. Et il a besoin de triathlons parcours vallonné où les parcours cyclistes sont, on va dire, durs parce que voilà, il a une natation qui est compliquée, c'est sa faiblesse. Il est très très fort en vélo, donc on l'a vu, hein, il revient, souvent il sème un peu la pagaille et puis derrière, à pied, bah, voilà, il paye un peu ses efforts en vélo. C'est un athlète jeune, il se fait plaisir et c'est de bon augure pour la suite. Les places, les classements. Et Todd Skipworth qui nous rappelle qu'il a effectivement pris l'initiative assez tôt. Mais que dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, il s'est vite fait reprendre à son goût par Albert Moreno. Et que donc cette façon de revenir sur lui, il a quand même poussé dans ses retranchements, lui a permis de courir mieux, plus vite, de prendre en l'occurrence son destin à pleine main et de profiter de cette situation pour aller chercher cette victoire dont il avait tellement envie. Alors bien sûr, je me suis arrêté pour 5 minutes à cause d'une pénalité. Bon, alors c'est une pénalité que je conteste. Pas facile comme ça, c'est un fait de course, il faut faire avec. Beau joueur de Alberto Moreno Molins. Bien sûr, à vélo, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je suis coaché par Marcel Zamora qui me met à chaque fois une fessée quand on sort ensemble, donc au moins j'en tire les bénéfices. C'est vraiment passé à peu près comme je l'avais prévu parce que je suis sorti de l'eau avec un retard à peu près gérable avec Albert Moreno, donc je savais que la course allait se faire avec lui essentiellement et donc après on est parti relativement cool à vélo, le premier col est bien passé et voilà, après l'objectif c'était de vraiment d'arriver en forme au pied de l'Alpe et bon c'est ce qui s'est passé et après j'ai pu faire une course à pied correcte même si l'organisme était un peu entamé dans les premiers kilomètres. Comme quoi ça sert de réfléchir à la façon dont il faut réaliser ses efforts. Ah, surtout quand on est dans des épreuves comme ça en montagne, c'est quand même bien d'anticiper différents scénarios pour pas être surpris au moment de l'épreuve. Pas de surprise pour ce qui concerne l'épilogue de la course féminine. Catherine Morrison en première position devant Lucie Goussage et devant en troisième place Paris Edwards. Goussage là qui pioche un tout petit peu, c'est un tout petit peu plus compliqué. Paris Edwards qui revient ou qui tente de revenir. Récemment 7e de. C'était l'an passé de l'Ironman ou l'Alpha Ironman d'Aix en Provence. Paris Edwards qui est en l'occurrence athlète amateur. Allez, fin de parcours, la descente, on profite de la fraîcheur de la cascade. On sourit. Direction la ligne d'arrivée et une nouvelle victoire parce que bien sûr il s'agit d'une nouvelle victoire. Elle s'était imposée ici, c'était en 2011, comme elle avait d'ailleurs remporté cette même année-là l'Ironman du Texas. Année blanche en 2012, elle a marqué une coupure pendant 18 mois, elle est revenue et puis elle s'était demandé s'il fallait aller encore plus loin. Elle a repris goût et comme c'est une compétitrice, et ben les compétiteurs, ça gagne.
Elle a fait une très très belle course. Elle a pris les commandes de la course dès la natation, dès la sortie de la natation. Elle a, à l'image un peu de Todd Skipworth, elle a fait parler son expérience. Elle connaissait l'épreuve. Elle a bien géré et elle a su contenir le retour de Lucie Gousset, qui, on l'a vu, hein, elle a tout donné en course à pied, mais voilà, c'était trop compliqué. Et Catriona Morrison avait pris trop d'avance à la fin du vélo. Gousset, deuxième, mais à près de 10 minutes de Morrison. Elle a donc, comme vous le disiez, Cyril, levé le pied sans doute durant le troisième tour. Très impressionnée, Lucie Gousset, par la performance de sa compatriote. Elle tombe dans les bras l'une de l'autre. Après s'être battue comme des chiffonnières ou presque. Hein. Troisième position pour Paris Edwards à 24 minutes. Et la première française, Céline Bourret, est à 43 minutes. Oui, c'était très bien. It was hard. Bien sûr, c'était difficile. Ici, il ne faut pas lâcher. De toute façon, ce sont des ascensions sans fin presque. Donc, virage après virage, c'est un nouveau challenge. Il faut poursuivre son effort. Et quand on voit le dernier virage, vraiment, on est soulagé. Bien sûr, quand j'ai gagné en 2011, j'étais ravi, j'étais très heureuse. Mais récidiver 3 ans après, c'est magique. Gilles Reboul, infatigable. Ouais, infatigable, belle performance de Gilles, hein, qui fait le top 10. Donc voilà, malgré l'âge, l'expérience parle encore. Prochain objectif pour Gilles Reboul, j'imagine Embrun et peut-être Hawaï. Non, Embrun, je crois pas, Hawaï directement. Directement, 9e édition d'Alpe d'Huez, toujours aussi spectaculaire. Petite nouveauté pour l'an prochain, Cyril, on change de jour, on passe du mercredi au vendredi. Ouais, on se décale un peu vers la fin de semaine. En effet, techniquement, c'était compliqué avec l'ensemble des événements qu'il y a sur la station. Donc on s'est mis d'accord avec la station de l'Alpe d'Huez et on commencera donc les événements à partir du mardi pour finir le samedi, et le long distance est prévu le vendredi 31. Alors vous l'aurez noté, 10e anniversaire de l'Alpe d'Huez, compte sur vous. Nous on y sera le 31 juillet 2015. Salut. Salut.